Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Donc comme promis, nous allons faire en fait la petite maison en bois avec le gnome, la petite maison à oiseaux avec le gnome ensemble. Donc je vais commencer à la colorier. Donc normalement il fallait prendre ce genre de crayon, des aquamarqueurs, mais moi j'en ai acheté pas beaucoup, mais en fait les couleurs, j'aurais voulu mettre un peu d'autres couleurs, donc du coup j'ai utilisé, si vous voulez, j'ai déjà fait un panache de couleurs que je vais prendre avec mes dual markers. Donc il y a 132 pièces dans ma grosse boîte comme ça. Voilà, 132 pièces et du coup j'ai choisi. J'ai fait un petit panel de voir à peu près comment je vais faire en fait les couleurs. Comme ça je ne suis pas trop perdue. Alors, cette petite maison en bois, donc elle a rien à voir avec l'autre. Là c'est vraiment, on voit vraiment la maison avec la fenêtre et la porte, donc l'autre côté il n'y a rien. Voilà, on a un petit gnome avec une petite lanterne et on a un petit seau avec des fleurs. Donc ça c'est le socle de la petite maison, les murs de chaque côté et nous avons le toit qui se trouve comme ça. Voilà. Ensuite, donc, on a un petit manuel d'instruction qui nous explique comment monter la maison. Donc, c'est vraiment très très simple. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Eh bien, l'autre maison, je l'ai faite, je l'ai terminée, je l'ai faite avec mon papa. En fait, je l'ai coloriée et mon papa, il l'a montée. Là, voici. Alors, ce qui est dommage, en fait, c'est que par rapport au bois, j'avais une grosse tache, là, ici, dans le bois. Mais bon, bah, tant pis. Hein. Donc, je l'ai colorié, je l'ai verni avec une bombe exprès pour qu'elle puisse aller dehors. Et mon papa, il m'a mis ça pour le toit, pour, je sais plus comment ça s'appelle, ça, le fait du toit. Je vais vous expliquer comment qu'il a mis ça. En fait, c'est pour que l'eau ne s'écoule pas dans la maison si je veux la mettre dehors. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je l'ai verni. Donc voilà, celle-ci. Donc elle est bien. Franchement, c'était sympa à faire. J'ai mis mon prénom en dessous. C'était sympa à faire. Et donc, on va faire celle-ci ensemble. Et donc, le montage, ce sera avec mon chéri, puisque c'est lui qui va vous la monter. Alors, on a besoin, en fait, pour le montage, je vous le redirai tout à l'heure, j'ai écouté mon papa, et il m'a dit, tu prends de la colle super glue. Au lieu de prendre de la colle à bois. Parce que si je prends de la colle à bois, je la laisse dehors. Apparemment, la colle à bois, ça ne va pas tenir. Il m'a dit, tu prends de la colle super glue. Donc, il me l'a collé avec de la colle super glue. Et voilà, ça tient quoi. Voilà, je vais vous forcer dessus, ça tient. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'il m'a dit donc de mon papa? Si vous ne mettez pas en fait ceci, je vous expliquerai comment c'est fait. Vous pouvez mettre un petit morceau d'aluminium aussi que vous collez avec de la super glue ou un morceau de papier qui s'appelle du plastic art, qui s'achète dans les magasins spécialisés de loisirs créatifs. Vous en coupez un petit bout et vous le collez aussi également avec de la super glue. Enfin, je vous expliquerai un peu tout ça quand on fera le montage. Pour le vernis, pareil, c'est 3 couches de vernis. Donc, c'est la bombe. C'est la bombe comme ça, le vernis. Alors, ça se trouve, on peut en trouver chez Action. Hein. Je sais qu'il y en a parce que mon père en achète chez Action. Celle-ci, je ne sais pas où ma fille l'a achetée puisqu'elle appartient à ma fille. Donc, j'en ai mis 3 couches. Voilà, c'est pour ça qu'elle brille. Je ne sais pas si vous voyez, mais elle brille un peu. Voilà pour tout ça. Donc, on va commencer le coloriage. Je ne sais pas, il y a un tout sur ma table. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est de ça. Alors, bah, je vais commencer par le petit pot. Le petit seau avec les fleurs. Alors, j'ai quel côté? Donc, j'ai 2 côtés, en fait, sur ces crayons, si vous voulez. Donc, je vais prendre un côté. Voilà. Alors, je ne sais pas trop comment me mettre pour que vous puissiez voir. Franchement, mais vraiment, c'était vraiment un régal à faire, cette petite maison. J'ai ma collègue, son mari travaille chez Action, et elle me disait qu'elle avait pris les 4, elle. Elle avait pris les 4 maisons, et qu'elle en avait déjà fait, je crois, 1 ou 2, il me semble. Franchement, ça va très bien. Et ça bave pas. Hein. Voilà.
c'est pas forcément des aquamarqueurs, mais ça bave pas. Et puis je me dis que comme je mets du vernis dessus, je pense que ça craint rien, quoi. Je pense pas que ça craigne quelque chose. Le vert déjà est fait. Oui, alors en amont, effectivement, j'ai. Ah, c'est la tige qui est verte. En amont, effectivement, j'ai choisi en fait les couleurs. Donc ça, c'est fait. Ensuite, j'avais dit les fleurs, que je prenais du rose. Les deux roses là. Oh, j'ai une mouche qui m'embête depuis tout à l'heure. Oh, on est envahi de mouches. Je sais pas vous, mais nous, c'est vraiment l'horreur. En plus, vous voyez, je prends la pointe fine. Et ça va très bien. Vraiment sympa. Donc voilà, et donc c'est mon chéri donc qui fera le montage tout à l'heure. Alors je lui ai dit, j'espère qu'il va pas dire trop de gros mots parce que lui, quand il y a un truc qui l'énerve ou qu'il n'arrive pas à monter et puis que ça passe pas comme il veut, il dit un peu de gros mots, quoi. Voilà, et c'est pas grave. Oups, je me suis aperçue que vous voyez pas ce que je faisais. Donc j'avais coupé un peu la vidéo parce que je me suis aperçue que vous ne voyez pas ce que je faisais. Ah oui, c'est pas évident. Hein. Je cherche un angle. Franchement, il faut que je trouve un trépied qui puisse se mettre au-dessus, là, comme ça. Parce que c'est vrai que je cherche un angle toujours et puis j'ai toujours un peu de mal à trouver un bon angle de vision. Sympa ça! Le seau. Donc du coup le seau, j'avais dit que je voulais prendre le gris. Alors comment j'avais dit? J'avais dit que je voulais faire en fait. Comme ça. Derrière, ça c'est pour le manche en bois. Hop, ah, j'ai mon petit chat qui vient d'arriver et le seau, je le faisais en gris. Hop. Et du coup, j'ai encore un morceau là comme ça. Je vais faire comme ça. Oui. Alors après, je trouve qu'on va pas assez lance du seau. Donc, si on va pas assez lance du seau, peut-être te faire en noir. Ouais, je pense que ce sera mieux. Ouais, donc du coup, je vais faire la réaction. Et là aussi. Et du coup, ce sera en noir. Voilà pour le petit seau. Je vais rien mettre derrière, je pense pas, hein, ça sert à rien. Hein. Je sais pas si ça fait la. Donc voilà. Donc excusez pour le bruit encore qu'il y a dehors. C'est juste l'horreur. Voilà, ça c'est fait. Le seau, il est fait. Le gnome.
Alors, le gnome, j'ai dit que je voulais faire le tour de la bordure en noir, boîte et ceinture et la lanterne, j'avais dit en gris et en noir, et du coup j'avais dit ça en ok. Alors la lanterne, comme ça j'avais dit celui-là. Comme ça. Voilà. Je courais dans tous les sens. Ensuite, j'avais dit celui-là au-dessus. C'est quand même fantastique ce genre de produit. C'est quand même des produits qui ne coûtent pas cher puisque c'était 1,99€ le petit truc. La petite maisonnée. Franchement, c'est vraiment pas cher. Et là, je peux te faire en gris quand même. Ok. Et donc là, lumière, le feu, les flammes du dessus. On va faire essayer des flammes. Donc on va faire en orange. Les travaux, c'est. Vous vous rendez compte, hein? Vous entendez un peu? Alors là, c'est même pas chez moi là. Là, c'est vraiment à l'extérieur en plus. Voilà. Et là, j'ai dit que je ferai en jaune. Prendre le jaune comme ça. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Peut-être mieux, hein. Moi, il y a un peu dans le flou. Hein. Je suis désolée, hein. Je vous ai mis dans le flou, du flou, du flou, du flou, du flou. Alors, le petit gnome, je vais faire les yeux. Comment je vais le faire? Alors, attendez, je vérifie juste un petit truc. Ok. On va faire les yeux. Alors, quand j'ai dit le gnome, la joue du gnome, les joues du gnome, on va les faire. Ah, c'est un peu gros ça. Comme ça et les bonnes petites joues, le petit nez on va faire ouais comme ça, les bonnes joues et il a un bon nez, hein. Du rose. Alors celui-là, j'ai pas l'impression qu'on le voit bien. Alors ouais. Le nez. J'aurais pu lui faire le nez rouge. Pourquoi pas? Les petites oreilles, donc je vais faire la rose, les mimines en rose, l'intérieur des oreilles en rose, les petits yeux. En bleu.
j'avais dit que je voulais faire la barbiche, la barbe et les sourcils du gnome, comme ça. Hop. Pas. Comme ça, c'est pas mal. Et la petite bouche. Alors, du coup, ça représente quoi? C'est bien, non? J'ai déjà du feutre partout sur les doigts. La fille qui s'est bien travaillée. Ensuite, la petite ceinture, la boucle de ceinture, j'ai dit que je la faisais. Voilà, en gris. Ensuite, bottes et ceinture du gnome et la lanterne. Oh, j'avais pris les bottes aussi en gris comme ça. Ça fait pas beaucoup, ça va plus foncé. Hein. Je peux, ça va plus foncé, mais ça va pas à l'air. Hein. C'est quand même beau. Voilà. Ok. Ensuite, j'ai dit que je voulais faire le pull du gnome en comme ça. Bras et chapeau en comme ça. En comme ça. Alors les bras. Dans l'autre couleur. J'espère que vous voyez bien quand même ce que je fais, parce que c'est pas évident. Que je vais mettre ma caméra d'un autre sens, mais après j'étais pas à l'aise pour l'avoir de l'autre côté la caméra. Donc, hop, j'ai dit quoi? J'ai dit les bras, c'est ça? Enfin, les boutons. Pas mal ça, j'ai laissé une petite pochette comme ça là. C'est pas mal ça, si j'essaie juste la pochette comme ça, je vais voir. Et j'avais dit quoi? Et j'avais dit la couleur là pour, je me trompe pas. Non, c'est là. Et j'ai dit que je le faisais en vert. Alors, est-ce que je fais la poche?
Voilà, comme ça. Et le petit chapeau en vert aussi. Voilà. Oui. Alors, comme moi, j'aime bien mettre du blanc dans ce que je fais. Alors, comme j'aime bien mettre du blanc dans ce que je fais, parce que j'aime bien faire des petits trucs blancs, je vais lui mettre des petits ronds blancs. Peut-être que ça ressemblera à rien, mais c'est pas grave. Un petit pois blanc. Le chapeau, pareil. Ça boit, hein, le bois. Donc j'ai l'impression que mes petits pois blancs ne vont pas trop se voir. Ah si, quand même, ça se voit. Au niveau des yeux. Voilà. Ouais. Au niveau des fleurs. Voilà. Allez. Là, les deux là, ok, très bien. Et ben maintenant, on va attaquer la petite maison. Donc ça, je vais les mettre là. Je vais attaquer le mur. Le mur. Alors, je vais commencer le mur et après, je vous mettrai en accéléré, pardon, pour que vous puissiez voir. Ça ira quand même mieux. Donc pour le mur, j'avais choisi deux couleurs. Alors, si je me trompe pas, c'était celle-là et celle-là. Je vérifie mes couleurs. Oui, c'était celle-là. Et c'était celle-là. Ok, d'accord. Donc je vais faire une brique sur deux, en fait. Donc une brique comme ça. Une comme ça. Voilà, une brique sur deux, je vais faire en fait comme ça. Allez, je vous mets en accéléré. Alors, mes deux pans de mur sont faits. Donc, j'ai rajouté un peu de noir comme ça pour pouvoir que ça fasse un peu vieillot. Hein. Et puis, j'ai fait donc mes deux petits trucs là comme ça. Ok, et ben je vais continuer et puis je vais faire le toit. Donc le toit, j'ai décidé de le faire en deux couleurs aussi, en rouge. J'ai pris deux couleurs de rouge. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne sur une feuille. Alors j'ai celui-ci comme ça et j'ai celui-ci. C'est presque pareil. Hein. Presque pareil. Du coup, je sais pas. Est-ce que je fais avec celui-ci comme ça et que je fais les alvéoles j'ai fait, oh, j'ai appris deux couleurs complètement distinctes l'autre. Non, je vais faire qu'une couleur et je vais faire les alvéoles avec celle-là. Voilà, on va faire comme ça. On va pas s'embêter. On va pas s'embêter. Donc c'est parti mon kiki. Bon, alors là, ça va aller vite. Hein.
Ouais, pareil, je vais vous mettre en accéléré. Et puis je reviens vers vous juste après. Voilà, ouais, ça va être pas mal comme ça. Mon toit est terminé aussi. Donc voilà, donc j'ai le toit, j'ai le côté des murs, mon petit bonhomme, mon petit truc. Et donc du coup, il me reste ceci à colorier. Alors, j'ai les mains, j'ai dû. Regardez-moi ça un peu. J'en ai partout, c'est pas grave, de toute façon, je m'en fous. Ah, et puis j'ai aussi le socle à colorier. Alors, le socle, j'avais dit que je faisais en vert. Et que je faisais du couleur vert, du vert, du je sais plus, vert quoi? Vert fleur, vert, ouais, vert comme ça. Donc on va déjà faire le socle en vert, ça va aller très très vite. Oui, il faut faire le socle. Hein. Je me demande si avec de la peinture, ce serait pas bien aussi, franchement, avec de la peinture. Puis en plus, on le vernit après, ça peut rester dehors. Hein. C'est du bois, hein, du placo. Socle de la maison. Ça boit quand même pas mal, hein. Ça boit quand même pas mal. Alors mon papa, il me disait qu'en fait, ces petites maisons là, c'est des maisons pour mésanges, parce que le trou est assez gros pour qu'une petite mésange puisse se passer. Par contre, il me disait aussi que c'est dommage parce qu'il n'y a pas un support pour qu'elles puissent reposer leurs petites patounes lorsqu'elles rentrent dans le nichoir. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Là, ici, mettre un support là. Un petit truc. Ça, je m'en fous dans le sens où c'est à l'intérieur de la maison. Je sais même pas pourquoi j'ai colorié en fait. En fait, ça me fait du bien de faire ça parce que je suis un petit peu énervée aujourd'hui. Donc du coup, faire un peu de trucs comme ça, c'est pas mal. Entre le bruit qui est à l'extérieur, quoique là, ça va parce qu'il est 1 h de l'après-midi. Du coup, j'en ai profité pour faire ça à midi, en temps de midi, parce qu'ils mangent les ouvriers. C'est juste l'horreur. Donc rien que ça, déjà, c'est énervant, c'est fatigant ce bruit. Plus, j'ai pas énormément dormi parce qu'il y a eu énormément de bruit ce matin. Enfin, je ne travaille pas cette nuit, donc du coup, je vais pouvoir dormir un petit peu plus. C'est vrai que là, waouh. Voilà. Ça, c'est bien. Ouais, je crois pourquoi j'ai colorié l'intérieur, en fait, hein, c'est vraiment ridicule. Ah, le montage, j'ai pas forcément besoin de Claude. Hein. Ok, allez, c'est parti pour faire le reste de la guitare. Alors, le dos de la maison, j'avais fait, je crois, celui-là. Je casse tout. Ouais, j'avais fait le dos de la maison. Ok. Alors, en quelle couleur j'ai dit la maison? Mur et pierre apparente. Deux couleurs comme ça. Et la maison. Deux couleurs comme ça.
bah ça reprend le bruit. Vous entendez le bruit qui reprend? Si vraiment il y a trop de bruit, je mettrai en accéléré. Je suis désolée, hein, j'aurais pas trop le choix. Parce que ça va être insupportable. La première façade, donc par contre si je me rappelle bien il faut que je fasse aussi, je colorie là ici, est-ce que ça vous voyez je crois, voilà, donc j'avais fait l'intérieur effectivement de la maison, donc je vais juste mettre ici, voilà, mon côté ici, parce que ça se voyait à l'extérieur, ça n'avait pas été fait. Voilà, c'est tout. Je crois qu'avec ça, mes souvenirs sont bons. Ouais. Ok. Voilà, donc maintenant, on va faire un autre côté. Enfin, j'ai un côté lisse et un côté... Je pense que j'aurai plus d'encre dans mes... Dans mes crayons. Donc une fois que ça sera fini, donc ça ce sera la première partie de cette petite guitoune, de cette petite maison à oiseaux, à mésanges, de chez Action. Bon, c'était 1,99€ la petite maison. D'ailleurs, je suis allée voir hier pour en racheter deux autres parce qu'il restait, en fait, il y a quatre modèles. Et il n'y était plus... Quand j'ai dessiné sur la table, putain. De toute façon, j'en ai partout. Je vais me laver les mains parce que j'ai les mains dans un état. Laisse tomber, c'est horrible. J'en ai partout, partout, partout. Donc voilà. Donc là, c'est pareil. Il faut que je fasse le côté là. Juste ça. Je suis vraiment désolée pour le bruit. Voilà. Hop, hop, hop. Nous avons donc toutes les pièces de la maison. Alors, ça va monter, c'est pas compliqué, mais bon, Claude va m'aider pour pouvoir mettre la colle parce que. Encore, je suis pas très douée pour coller. Je vais encore me coller les doigts. N'est-ce pas? Voilà, déjà ça commence à me prendre la tête là. Ça rentre dedans. Ça rentre dedans.
Enfin bref, je vais y arriver ou pas. On sait quoi qui va planter la maison. Qui va l'en coller. Voilà, bah, quelque part c'est pas trop mal. Et ça, ça va là comme... Je sais plus. Comme ça, je crois. Je défais tout. Purée. En fait, j'ai peur de péter le bois. Voilà. Allez, Jackie, tu vas y arriver. On va prendre l'autre. Ça rentre pas dans un, ça rentre dans l'autre. Bon. Là, il y a eu le principe. Je crois que je vais laisser le montage à Claude. Je pense que ce sera plus judicieux. Ah voilà, on l'a déjà une. Voilà. Ah, j'ai réussi à mettre un bout de toiture. Ou pas. Voilà. Hey, hey. Voilà pour la première partie. La deuxième partie, ce sera le collage de la maison, plus le fait, je ne sais plus comment on dit, de la toiture ici qui va être réalisée. Et puis ce sera avec mon chéri. Et puis voilà, bah, je vous dis à tout à l'heure ou à demain. Ça dépend à quelle heure vous regarderez la deuxième vidéo. Allez, bye bye et portez-vous bien.